Les gens veulent que la justice soit rétablie dans ce monde. Les gens veulent des héros, Mademoiselle O'Neill. Eh bien, on va vous en donner des héros. En hibernation depuis la trilogie des années 90, les Tortues Ninja reviennent en 3D. Zoom sur Ninja Turtles, un blockbuster bourré de GM. Mais les héros, ça n'existe pas. Ça se fabrique. Michael Bay et Jonathan Liebesman souhaitaient donner aux tortues un aspect aussi réaliste que possible. Mais nous devions également respecter l'esprit des comics et nous assurer que chaque personnage était parfaitement reconnaissable. C'est dans ce laboratoire que j'ai découvert les tortues. Nous avons erré dans les égouts jusqu'à ce que je trouve cet endroit. Et c'est alors que le mutagène qui avait été injecté dans notre sang s'est mis à nous transformer. Les acteurs portaient des combinaisons de motion capture. Leurs mouvements et leurs expressions faciales étaient recueillis digitalement. Et ça change tout. C'était exactement comme sur un tournage traditionnel. Ces quatre comédiens, tous très talentueux, me faisaient face et m'aidaient à jouer mes scènes. Vous êtes quoi ? On est des ninjas. Sur le papier, on est des tortues. Tortues ninja ? C'était très important que de véritables acteurs soient présents lors du tournage. On voulait absolument éviter que Megan Fox et Will Arnett se retrouvent à jouer face à des balles de ping-pong. Ils avaient de vrais comédiens qui interagissaient avec eux. On a mis 2 ou 3 ans pour inventer une technologie qui nous permet de capturer le jeu des acteurs, leur tic d'expression. Il suffit ensuite de reformuler ces informations dans des créatures digitales. C'est une mise à jour des Tortues Ninja. Il y a les scènes d'action d'un bon blockbuster, mais par-dessus tout, c'est un film super fun. Elles foncent les Ninja Turtles. Secondé à la prod par l'exposeur en chef Michael Bay, Jonathan Liebesman balance un pétard mammouth plein d'humour. Kawabunga. Non. Oh, cool, c'est qu'un masque. Regarde, arrête de flipper. Ok.